Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 10e épisode de notre 15e mission en coop sur Icarus, 12e d'extermination. Et aujourd'hui on est en train d'affronter le scorpion, mais ça se passe pas très bien. Allez, en route. Capot, tu vas le RS ou tu j'y vais? Attends, mais j'ai quelqu'un derrière moi, je crois. Ah, non, il s'est arrêté. J'arrive plus à tirer. Il arrive sur moi. Mais je sais pas pour vous, mais je chope des bugs en cascade là. Il faut faire demi-tour, faut s'arrêter, ça sert à rien d'insister. Hein. On va pas rester une heure à essayer de lui faire des dégâts alors qu'il en prend pas. C'est pas faux. Puis on essaie de quitter la zone et revenir. Merde, on a plus de mune. Bon. Rentrer, refaire des munes et revenir. Je vois que ça. C'est où la Par maison contre, refaire des munes. Où est-ce qu'on a mis la maison? Sur le point bleu. Ah, et mon arc est pété, putain. T'as pas l'autre? Si, si, j'ai l'autre. Ouais, bon. C'est sur le point qui reste là-bas, le point vert, là? Ouais, ouais, vert pour toi, mais bleu pour nous, je vois plus rien. Il m'a empoisonné, en plus. Vous voulez pas qu'on aille d'abord à la maison rouge? Comme ça, au pire, on remonte avec l'exotique, au moins. En rouge. C'est où? Vers l'est, est sud-est. Ouais. Ah bah c'est sur ce point-là que j'ai fait. Salut Powell. Ouais, on va récupérer l'exotique. Ah, au moins on récupère l'exotique. On repasse à la maison, on refait une mine sur au passage. On refait du cuivre. On refait quelques balles. On retente, hein, parce que. Là il y a eu un bug, c'est pas possible. Et c'est exactement ce que j'ai eu sur le ver géant. Et t'as essayé de partir de la zone, revenir, ça changeait quelque chose? Ah, j'ai refait trois fois la mission, me barrer, revenir et tout, et toujours la même blague. Et là, j'ai un bug aussi, j'ai des munitions illimitées. Alors que c'est pas le cas. À un moment, ouais, moi, tant que je changeais pas d'arme, en fait, le total de munitions, je ne voulais pas, ne descendait pas. Mais si je peux passer de là. Hein. Ah ben moi mes munitions sont descendues, hein. Il me reste une balle. Et moi il me reste zéro depuis un moment. Ah par contre mes flèches, quand j'ai scroll pour changer d'arme, je viens d'en perdre 18 d'un coup là. Oui c'est ça, c'est quand on change d'arme en fait que ça change. Pareil, là, tu vois je viens de recharger mon pouls, ça me met qu'il m'en reste 5 dans l'inventaire. Mais si je regarde dans l'inventaire, il m'en reste 3. Si je passe sur l'arc et que je reviens sur le fusil, il va bien me marquer les 3. C'est bizarre. Par contre, si on se refait des munes, il faut ramasser des baies sur la route. Hein. Ouais. Des baies, des pastèques, des baies, carottes. Ouais, ouais, j'en ai 360. Et, 360, ça va faire 30. Bah, 300. Ça fait 30. 300 poudres. 360 poudres, quoi. Ouais. Ça fait. Ça fait c'est une dommage, cinquantaine de balles, c'est pas beaucoup. On a réussi à le mettre midlife rapidement, mais. Ouais, dès qu'il a passé sur son deuxième pattern. Ouais, dès qu'il a commencé à rentrer dans ça, au final, il a bugué. C'est pas un bug connu? Il y en a qui ont réussi à le descendre? Je sais pas. Ah oui, il y en a qui ont réussi à le descendre. Il a peut-être eu, il est sous le sable, il a peut-être trouvé une étoile d'invincibilité. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oh putain, j'ai bouffé toutes mes viandes simples. Je suis sûr du bacon. Il m'en reste plus pas beaucoup. Je crois qu'on vient de bacon, finalement. En fait, le truc, c'est que faudrait que chacun aille un stack de vin de viande cuite sur lui. Ah, moi j'avais plus qu'un stack de vin. Que je leur cours après pour leur donner. Parce que Capot, il avait pas vu où je les avais jetés et j'ai été les ramasser moi-même. Moi, ça, je les voyais pas. C'est vrai que pour le. Ah, j'ai froid, ma barre de stam, elle est riquiquite, c'est horrible. Riquiquine, mais ma costaud. Yes. Bon. Il va falloir que je refasse des flèches, moi. Un paquet. Ouais, moi, il me reste 38. J'en avais. Je te dis 160 en démarrant.
En tout, il nous reste que 11 balles de pont. Il me reste 11 quand même. Ouais, c'est pas mal, moi je te dis, il me reste 0. J'ai fait pas mal à la flèche, mais de la flèche, j'en avais 140. Ouais, il me reste 90, j'ai dépensé 50 flèches. Après, je peux, si vous m'aidez à ramasser des os et tout, je peux vous faire des flèches avec 10% de dégâts supplémentaires. Ouais, pourquoi pas. Sinon, on peut faire des flèches silex aussi. Bah après, moi déjà, mon arc, il est rincé. Et laissez-moi les faire. Parce que toutes les flèches que je craft ont 10% de dégâts en plus. Moi déjà, j'ai le problème de l'arc qu'il va falloir que j'aille réparer. Donc il va de toute façon falloir qu'on rentre... C'est dommage que toi, tu l'aies pas pris, Krios, ce bonus. Parce qu'avec ton yield sur les flèches... Il y était pas. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé hier soir en plus. Ouais. Tu l'avais pas vu. Non, je l'aurais pris et... Ouais. Là, le problème, c'est que si je risque pas, si je respecte, je crois que ça coûte des pièces. De l'exotique, même. Oh, ouais, non. Ça le fait pas. Je crois que si tu l'as jamais fait, il y en avait un d'offert de respect. Il l'a utilisé. Un certain nombre de points de respect offerts. Oh, je regarde. Et c'est que en station que tu peux le faire. Ah ouais, c'est pour ça que je l'ai pas fait là. Ah, je vois strictement plus rien. T'allumerais ta torche, tu verrais peut-être mieux. Ah, ma torche est pas remise dans sa barre. Non, elle a cassé ma torche. Shit. Après, il y a des torches qui ont popé par terre. Hein. Je pense. Je vois strictement plus rien. Je sais pas où je suis, je vois rien. J'étais obligé de m'augmenter les gamas sur l'écran moi, pour voir quelque chose. Continue par là, Lodos, hein, entre les, c'est bon, entre les murs. J'ai retrouvé. J'ai longé le mur et. Le truc, c'est que j'ai pas de temps, je vois vraiment rien. J'ai tout vraiment repéré. Non, j'ai pas de quoi. Ça y est, on arrive dans la forêt, Chris. Ouais. Au moins, on ramène l'exotique déjà. Tu l'as sur toi ? Non, on va le chercher là. On le ramène, on le range, on essaie de refaire des balles, on essaie de le retenter. Il respawn. Ouais, sinon on est dans le caca et on est obligé de rentrer penaud. Si il me semble que le verre, il avait pas respawn. Une fois que j'avais quitté la zone, il avait pas respawn. On verra, peut-être que ça le débuggera, nous. De toute façon, on va voir, on doit passer par la zone. Ok, exotique, c'est terminé. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 112 ici. Exotique. Merci, puis j'arrive. Juste au-dessus du minimum. À tout. Est-ce que je peux descendre par là ? Sans m'éclater la tronche. Ouais. Et j'ai plein de carapaces de scorpions qui servent à rien. Je les ai ramassés, histoire de dire, mais ça sert à que dalle. On va se coucher, Youkrios. Est-ce que... Yu Capo. Ah bah, Capo, il est sorti. Forcément. Qu'est-ce que on... Faut quand même qu'on ait quelques flèches, là. Vous avez plus d'os ? Quasiment pas, non. Ah ouais,
ouais, mon armure, elle a pris cher aussi. Mon armure, elle est mid-life. Ah ouais? Ah ouais. Moi, ça va, j'ai pris un petit quart, même pas 10%. Et bien sûr, il n'y a pas un animal. Ouais, on peut commencer à remonter tranquillement, et puis quand Capo revient de sa petite pause, il nous rattrape. En attendant, on tue de la bestiole. Qu'est-ce que vous en dites? Tiens, ben, je devrais poser le radar, moi, quelque part. Hop. On n'a plus besoin. Deux flèches pour un loup. Yeah. Oh, et on n'a plus d'acier non plus. Ça, on a de quoi en refaire, elle devrait rester plein de fer normalement. Oui, il faudra en refaire un petit peu pour réparer les fusils. On retourne à la maison, c'est ça? On retourne, ouais, à la maison. On retourne à la maison. Alors, attends, c'est par où? C'est bleu, puis. Au milieu du radar, ouais. Ici. Là. Ouais, ah oh, bah, voilà. Ok. Il y en aura deux. Monter, c'est plein nord et à droite. Vous êtes parti? Moi, je suis parti. Ah, d'accord. Je suis quasiment dans le désert. Quand t'es dans le désert. Non, c'est... Attends, mais je suis là. Ah oui, on est là, en fait. D'accord. Oh, mais loin. J'ai pris 15 baies. Non. Oh. Heatwave. Ah, ouais. Et on a un orage dans la forêt. Essayez de penser à prendre des baies sur la route si vous les voyez. Je suis où, moi? Je vois même pas mon... Ah, je vais pas dans le même sens. Oh. J'ai du mal, hein. On n'osait pas te le dire, mais ouais, un peu. Pourquoi tu m'as pas suivi? Ah, j'en sais rien. Longue vague de chaleur, oh non. Puis je vais avoir besoin de bouffe. J'ai que deux viandes différentes. Bah, il y avait de la viande séchée à la maison. Enfin. Allez, sans moi, j'en ai deux, finalement. C'est avec. Hein. Est-ce que, par contre, il va falloir refaire du cuivre. L'époxy, ça allait, t'en avais fait d'avance. Ok, on attaque le dur de la heatwave, là. Bon, au moins, on va redescendre avec les potions de vie, les potions de régène d'endurance... Tout ça. Ouais. Si j'y pense. Ça, c'est pas encore fait, hein. Ouh, ça monte vite, hein. Je fais des antilopes au couteau. Ça économise des flèches. Ça fait des os. Si vous allez rechercher du cuivre, prenez un peu de fer aussi pour faire des flèches silex. Ah oui, j'allais dire le fer, on en a plein de fondu. Et maintenant, tu peux pas le défendre. Oui. Et je crois qu'il en restait un peu du non fondu dans. Ouais, mais quasi rien. Creuset. Quasiment rien. Dommage qu'il est bugué, on était bien parti. Ah bah oui, ouais. On était bien parti. On va voir s'il va respawn, parce qu'on doit passer par sa zone pour rentrer. Oui. Ouais. S'il respawn pas, bah on a compris.
S'il respawn pas, oui, on remonte, hein, tant pis. On aura récupéré l'exotique, c'est bon, déjà ça. On n'aura pas tout nous perdu. Ouais, mais j'aurais pas ma tenue. Mais non. Pas tout à voir, monsieur. Bon, ça va prendre des dégâts. Ouais, j'en prends aussi. J'ai rattrapé quelqu'un. Moi, je prends des os aussi au passage. Viens, je vais faire des flèches. Suite. Qui est-ce que j'ai rattrapé? C'est qui ça? C'est moi. Ah, mais c'est lui. Parce que moi, je m'arrête de faire de l'os en même temps. Pour remonter un peu mon nombre de flèches. Eh ben, voilà, j'en ai reperdu deux. Et tu, si l'autre s'est planté dans le sol? Bah, garde tes bâtons et tout ça, c'est de faire les flèches X. Bon, les bâtons, ça va, je les fais vite, hein. On se prend du dégât. Oui, oui. Un petit peu depuis tout à l'heure. Un petit peu de viande normale sur toi, Louis ? Non. J'ai plus de viande normale, j'ai tout bouffé après m'être fait tuer deux fois. Quelle idée de mourir deux fois aussi. Deux ou trois, d'ailleurs, je sais plus. Elle est violente, la charge du... Ah, du one shot, hein, rigole pas. La charge du scorpion, ah ouais, elle pique. Puis elle fait mal à l'armure aussi. Et salut Foxy. Et salut. Si on doit retrouver du cuivre, où est-ce qu'on va trouver le cuivre? Bon, il y a forcément une grotte qu'on n'a pas fait encore. Ouais, mais il faut remonter sur la grotte qui est plus au à l'ouest. Au nord de la base, je pense. Non, mais... Au nord de la base. Tu sais, dans le désert, là, la grotte qui est plus à l'ouest, la première qu'on avait fait la dernière fois. Ah oui, il y en avait un peu, ouais, c'est vrai. Les baies. Comment ça piquait, là, le... Explosion. Voilà, c'est bientôt fini. Et je viens de remarquer que j'ai un personnage de moi en haut à droite qui dit qu'il a chaud, a priori. En même temps, il fait 69 degrés. Ça va se calmer. Ça va, moi, je tiens bien la température avec mon perso. Ça y est, ça se calme. 67. De patauger un peu dans l'eau, ça fait du bien. Oh, je vais choper une bactérie en buvant. Non, mais c'est pas possible. Comme moi tout à l'heure. C'est tous rejoints quasiment. C'est toi qui es en bas là, Lodos. Tiens, viens de l'eau, ouais, ça doit être Lodos. Je sais pas où il passe, Krios. Ouais. Il est devant moi, un peu plus loin. J'arrive à le voir de temps en temps. Ok. C'est sûr que c'est pas un mirage. Non, non. C'est lui qui va pouvoir nous dire si... Là, je le vois, là, par exemple. Si ça s'il respawn ou pas, le scorpion. Ah, on va perdre le bonus du lit. Ouais. Ouais, ça y est. J'ai que 60 et une flèche, quoi. J'en avais 160. Il respawn? Ouais. Est-ce que tu lui fais des dégâts? Attends, parce que pour l'instant, il nous fait sa charge de la mort, là. Sa barre de PV, elle a bougé. Attends. Non, elle a pas bougé d'un pet. Ouais. Elle est pas remontée, déjà, ouais. Et elle bouge pas. Oh, putain, elle met belle... Flèche, sans deck. Non, elle bouge pas.
Si sa barre de PV bouge pas, je crois qu'on... C'est pas la peine qu'on vienne. Ah ouais, non, je pense que c'est mort. Non, non, elle bouge pas, elle est toujours bloquée entre le A et le T. Oh, il est sûrement, je crois. Ouais, je l'ai raté deux fois, tiens. Bon, il y a quelqu'un qui m'a touché, je crois, non ? Je me suis pas pris une flèche, là ? Oh, si, j'ai une flèche dans l'épaule, je crois. Ok, c'est pour moi. Ouh, j'ai réussi à l'esquiver. Au moins, il est bloqué entre le A et le U. Mais... Ouais, ah oui, ça, je c'est... sais plus la lettre, mais en gros, c'était bloqué pareil que tantôt. Ça ne descend pas. Hein. Ça descend pas. Ah, allez, on se casse. Ah, fais chier. Qui c'est qui a une flèche dans la tête ? Moi, ouais, qu'est-ce qu'on a eu ? T'as une flèche dans l'oreille. J'ai réussi à esquiver le scorpion et on tire une flèche. Qu'est-ce qui me retire la flèche là ? C'est gênant. Attends, je te l'enlève. Arrête de bouger. Voilà. Ça se voit que ça a bugué parce que les munitions avaient quand même bugué aussi des flèches. Donc, Ouais, mais. Et là, c'est rageant. Si on tentait la déco reco, tant qu'on est proche. Déjà fait. Ah mais c'est moi le host, effectivement. Ah mais j'avais déjà fait sur le... Ah, est-ce que vous voulez qu'on tente là, sur celui-là, histoire d'être vraiment sûr. Juste à côté, pour en être sûr qu'on parte pas. Comme ça, si on... Pas solution, ouais. Déconnectez-vous, on teste vraiment complètement. Retour, ok. Je vais même quitter complètement le jeu. Yes. Comme ça, on est vraiment sûr. On est vraiment sûr de ce qui se passe. On aura tout tenté. On pourra dire à Dean, il y a un gros bug. Ça nous a fait rater 600 balles. XK appelle Dean, t'as son numéro. J'ai dit t'as son 07, mais je connais pas l'indicatif de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est fou. Bon, par contre, il m'en reste que pas beaucoup de flèches. Ouais, moi, il me reste une soixantaine, même pas. Là, j'en ai retiré quelques-unes. Donc... 8-10. Zinder, non, Starcy doit être réveillé. Il est tôt, mais. Ok, je suis en train de host la session. Nouvelle-Zélande, il est encore 3h du matin. Encore 3h du matin là ? Oui, il se réveille un tout petit. Il se réveille à 5h. Un truc comme ça, ou 6h. Au Japon, il va seulement être 6h. Ah, mais non, mais il est plus tard alors en Nouvelle-Zélande. Monsieur. J'ai un doute. Parce que la Nouvelle-Zélande, c'est après le Japon. On dit ce pays du soleil levant, à mon avis, c'est le premier. Non, mais on dit ça. Oui, j'attends. Je vois par curiosité. C'est la direction géographique. Disons que sur notre latitude, c'est le pays le plus à l'est, entre guillemets. Moi, je suis dedans, je vais voir si je lui fais du dégât ou pas. Je vois que Claude Host est dedans aussi. Ouais, je suis en apprenant géométrie. Bon, ce coup-ci, on aura vu le scorpion. Après, on est en train de le tuer. Par contre, il spawn pas parce que je suis pas au bon endroit. Peut-être. Wow, il spawn. C'est du spawn, ouais. Ok, il a toute sa vie et je la vois pas baisser. Ah. Wow. Ok, j'ai essayé de me dégager, mais j'ai eu un freeze au moment où vous êtes connecté. Est-ce que tu vois sa vie baisser là ? Je le vois pas du tout, il est encore sous terre. Oula, il est mort. Il va charger là, non ? Non. Non. J'ai caché une flèche. Quand tu veux, tu vas parler. Là okay. Pour moi, à la baisser. À la BCR. Je suis pas dedans, attends. J'ai vu sa vie baisser, hein. Il a perdu un peu de vie. Et j'étais bugué à l'intérieur. Il me reste deux flèches. Ouh.
Ah, la baisser sa vie, hein, à fond. J'ai mis ma dernière cartouche de fusil à pompe. Ouh, il m'a fait mal. Ouais, sa vie baisse. J'ai plus de flèches. Moi, j'ai plus beaucoup de santé. Il me court ? Il me course ou pas ? Oui, 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 il est juste derrière toi. Arrête-toi et repars tout de suite. C'est bon, il est plongé. Et sa vie a beaucoup baissé ? Elle a baissé un petit peu. Je l'ai vu descendre, sûr. Mais je veux dire, on peut se le faire là ou... Non, elle a vraiment rien baissé. Hein. Mais moi, j'ai encore une centaine de flèches. Hein. Moi, j'ai plus du tout de flèches. J'ai... Oh, il est retourné dans le sol tout de suite. J'ai juste eu le temps de lui mettre un coup de couteau. Ouais, elle a baissé, clairement. Aïe! Il aime pas le couteau. Hein. Aïe. Aïe, je suis mort. Pourquoi j'ai préparé une des géométries, veuillez pas santé. Je t'ai réveillé. D'accord. Merci. Bon, moi je me casse. J'ai plus rien, j'ai plus de vie. Il me reste 26 flèches. On va pas le tuer avec ce qu'on a de toute façon. J'ai plus de balles. Mais attends, je vais essayer de descendre ma soie, je vais bien voir. Il se bloque à moitié encore. Moi, il m'a tué. Ouais. Putain, mais c'est pas vrai. Quelqu'un pour me respawn ? Je viens vers toi. J'ai plus rien, je peux faire que ça de toute manière. Donc, j'ai le. Bon. Moi, j'ai les tirs qui se bloquent. Merci. Chiant. Attention. Il est derrière moi, je le sens. Bon, j'ai 24 flèches. Faut quand même qu'on se garde des flèches pour retourner à la maison. Hein. Oui, j'en ai plus une seule, moi. J'essaie de courir après les bestioles avec mon couteau. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao !